L'année 2014 démarre sous les chapeaux de roue parce qu'on a ouvert 3 magasins et on a 8 signatures de réservation de zone en attente. Donc on devrait atteindre le cap des 25 points de vente d'ici la fin de l'année, qui était l'objectif, ouais, qui est en train d'être réalisé. Alors on a un projet actuellement au Québec qui est en cours d'étude avec une étude de marché sur Montréal pour tester un magasin pilote sur la ville de Montréal. Alors on étudie aussi des pistes sur les pays limitrophes et francophones comme la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Alors depuis 10 ans, il y a une évolution, on a démarré par des ateliers, puis après on a rajouté la boutique, ensuite on a rajouté la formation professionnelle, et puis l'an dernier on a créé un catalogue pour le B2B, pour les prestations, pour les groupes et les CE, et on a évolué sur différents segments d'activité qui ont généré du développement du chiffre d'affaires. Ce sont des évolutions qui sont liées à la demande. Effectivement, on a eu plusieurs contacts par rapport à des demandes sur des hôpitaux, des maisons de retraite, des entreprises, des collectivités. On a testé pendant quasiment 5 ans des activités et on a décidé, après toute cette analyse, d'en faire un condensé et de créer un catalogue de prestations. Alors pour le choix des franchisés, on travaille avec des candidatures sur des personnes qui ont une affinité avec le secteur, hein, sur les arts plastiques, qui est souvent un de leurs loisirs. Après, on travaille sur des profils qui peuvent être différents, mais qui ont un lien avec la relation humaine, la relation commerciale et l'organisation d'un point de vente. Alors, il y a différents univers. On a des franchisés qui viennent aussi bien des ressources humaines, que du commercial pur, que de l'administratif, l'informatique aussi, souvent des cadres supérieurs qui changent de voie. Alors, on essaye de se développer sur toute la France. Il y a des priorités sur Nantes, parce que c'est une ville qu'on maîtrise. On vient de faire 3 points de vente sur Bordeaux, on aimerait faire la même chose sur Nantes, parce qu'on est de La Rochelle. Et sinon sur la région parisienne, mais on est ouvert à tout le secteur géographique de la France.